Shalom, chers amis, que ferons-nous si toute l'armée devient mixte? Tout d'abord, Dieu soit loué, ça n'arrivera pas. Le peuple qui habite à Sion est plein d'esprit saint, plein de pensées droites. Il n'arrivera pas à cette conclusion, qui n'est pas seulement interdite par la halakha, mais également est une très grave erreur militaire. Mais théoriquement, si ça arrivait, on irait quand même à l'armée. Nous allons à l'armée non pas pour notre plaisir, mais parce que le peuple est en danger, la terre est en danger de mort. Et Dieu soit loué, grâce à notre armée, nous sommes vivants. Vous savez que jadis, la Torah nous parle d'une échette fatale, de la belle captive, à savoir que l'ennemi se servait de femmes pour séduire nos soldats. Évidemment, nous ne pouvions point dire, ennemi, nous allons à la guerre à condition que vous cessiez vos agissements pervers de la sorte. À la guerre comme à la guerre. Mais comme nous l'avons dit, ça n'arrivera jamais.